Bonjour et bienvenue sur les sites du Courrier de l'Atlas dans votre rubrique Psycho. Il y a des cultures, et d'ailleurs on l'a remarqué dans plusieurs familles, malheureusement, où on considère l'enfant, je dis bien surtout la première partie, l'âge d'or de l'enfant, comme on dit, on considère l'enfant comme une propriété privée. Et on entend des parents parler de « je vais faire de mon enfant ceci, cela, je m'en occupe, c'est moi qui va m'occuper de mon enfant ». En fait, là, ça n'a rien à voir avec la responsabilité. On ressent dans l'inconscience de beaucoup de parents qu'effectivement, parce que l'enfant, il est incapable, parce qu'il n'a rien, parce qu'il est nul, parce que, en fait, voilà, en fait, parce qu'il est petit, voilà, tout simplement, que nous nous permettons, nous les parents, de faire ce qu'on appelle le dressage. Et un enfant, il devient un animal dressé. Hein, vous savez, c'est je vais le punir, je vais lui montrer, je vais le diriger, mais attendez, mais de quel droit? Vous savez, dans chaque être humain, il y a du potentiel énorme. Hein? Un enfant, c'est pas une forme de GPS. C'est pas en fait une machine où on va la diriger vers telle ou telle direction. Un enfant, il a en lui un GPS biologique, il a en lui du potentiel, il a des rêves, il a des ambitions, il a toute une vie. Souvent, il se trouve bloqué, freiné, parce que veulent les parents, et non pas parce qu'il lui veut. Vous allez me dire, attends, monsieur Abdeslam, mais il y a un problème. L'enfant, il ne peut pas choisir. Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut laisser cet enfant choisir sa vie. Il faut. C'est une question de culture. C'est une question de mentalité. C'est notre regard sur cet enfant. Comment nous nous considérons? Si nous le considérons qu'il n'est rien. En fait, combien dans beaucoup de. Pendant des siècles, 10 ans, nous avons cru que cet enfant. Ce qu'on appelle la page blanche, enfin, on va faire ce qu'on veut, non, pas du tout, je suis désolé. Notre enfant, il n'est pas ni à vendre, ni à acheter, c'est pas une marchandise. Il n'est pas une propriété privée, et ceci, on l'a trouvé lorsqu'il est adulte, il continue à être considéré par l'un de ses parents, par ses parents, comme s'il leur appartient. Pas du tout. Personne n'appartient à personne. Chacun doit être libre. Vous savez, l'enfant, la liberté, c'est son droit total. Il a le droit aussi de choisir. Il a le droit de choisir son, en fait, sa trajectoire, sa direction, son destin. Sinon, on va se trouver avec un enfant dressé. Malheureusement, pour nous, puisque on handicape, on inhibe, on sous-développe et on contribue à le rendre inefficace dans la société. Merci et à la prochaine fois.